Salut vlog, fait qu'aujourd'hui on est avec Mr. Frank Allard. Qu'est-ce que tu manges, Frank, pré-workout? Crème de riz, quelque chose ça sent bon. Crème de riz avec des protes. La protéine en plus. Yes. Fait que aujourd'hui on va faire un workout et on va faire un podcast aussi. Parce que je vais parler avec Frank un peu le mindset de quelqu'un qui va en compétition pis tout. Ça fait combien de temps que tu compétitions, Frank? Depuis ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Ouais. Puis c'est ça, fait que Frank a un mental de fer. Fait que je veux qu'il nous donne ses meilleurs trucs pour ça. Puis c'est quoi vraiment que c'est. Là. Fait que c'est ça, pour aujourd'hui, on va faire workout de dos. Dos biceps. Fait que ouais. C'est ça. Tu peux workout warning de XPN. Frank, code ça promo. Fallard 15, F-A-L-L-A-R-D 15 sur xpnworld.com. Un autre 15%. Avec le One Arm Step Row. Ce que ça fait, c'est que quand tu arrives à la fin, si on se recule comme ça, la machine elle va te déloader un petit peu, que ça va te permettre d'avoir une meilleure contraction au niveau du lat. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se penche vers l'avant. Ce que ça fait, c'est que ça enligne les fibres du lat en ligne directement avec la tension. Il va aller stretch, après ça, il va aller porter ça vers le sol, il va aller porter son coude vers la hanche, il va courser le lat. Fait qu'on voit que le gym d'insertion étire, ça se rapproche, il se pousse hard. Enfin, se pencher un petit peu sur le côté aussi pour le cas de mieux contracter le lat. C'est seulement pour les grands dorsales cet exercice-là. On va utiliser une technique, je me souviens plus trop comment ça s'appelle, mais c'est que tu vas faire 10 coups. Puis le premier coup, tu vas tenir 10 secondes en haut, le deuxième coup, 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour tes 10 reps, tu prends pas pesant, mais les contractions maximales vont être vraiment intenses pour le stress métabolique, pour le pompe, fait que c'est ça qu'on fait. Le muscle qui va être contre la gravité, quand on fait un exercice de row comme ça, c'est lui qui va être le plus recruté. Si on voit la gravité ici, on voit que c'est vraiment le trapèze médial supérieur qui va travailler. Fait que si on regarde, Frank fait une rétraction, colle les avant-plates, puis après ça, il lève les coudes. C'est-à-dire, c'est pas le contraire, c'est vraiment rétraction, il lève les coudes, gros squeeze. Fait qu'on va vraiment travailler le haut du dos de cette façon-là. Les poignets viennent en ligne avec le coude. Puis il monte le plus haut possible. Oui, il monte pas le coude tant haut, mais il garde une amplitude active au niveau des trapèzes. Ah!
là, on va finir avec un tricep pour les biceps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec le coude vers l'avant en premier. On va faire un offset grip, ça veut dire qu'on va prendre la prise neutre. On va tourner au maximum, on va forcer le bicep à soutenir. Ça va raccourcir le bicep le plus possible. Puis ensuite de ça, on va aller avec la poulie en arrière, le coude vers le sol. Fait que ce que ça va faire, c'est que la tension va être maximale vraiment à ce point-là, complètement en bas du mouvement. À la fin, on va relâcher un petit peu. Fait que on a fatigué le top du mouvement, après ça, on fatigue le bas du mouvement. Là, un coup qu'on a fatigué le bas du mouvement, on recule les coudes. Là, on va travailler le milieu du mouvement à prise neutre. C'est là qu'on a encore du jus. On va faire le maximum de reps comme ça. Puis quand il va atteindre l'échec musculaire, il va se pencher vers l'avant encore. On va pouvoir aller encore plus à l'échec musculaire. That's it. All right, let's go. Finis ça, finis ça. That's it, that's it. Come on. Happy Frank. Et de cette façon-là, avec juste trois séries de ça, tu target le top de la courbe de force, le bas de la courbe de force, le milieu de la courbe de force, prise offset, prise supination, prise neutre. Fait on a fait le gros du workout, c'est du dos, un petit peu d'épaule, un petit peu de biceps. Fait quand tu fais juste un petit peu de volume pour le groupe musculaire, tu vas avoir les exercices le plus payant possible en que toucher le plus de fibres musculaires possible. Fait que ça, c'est une bonne façon de faire. Un mindset incroyable, une force mentale, parce que si tu n'as pas ça, c'est sûr que tu vas franchir le milieu de top. Ça prend la génétique, mais ça prend la passion aussi. Ça prend la passion pour le sport. Tu sais, j'ai toujours eu des objectifs, puis en arrivant dans le bodybuilding, j'étais au bas de l'échelle. J'avais rien fait encore là-dedans, j'étais rien. Puis dans ma tête, quelqu'un qui arrivait au provincial, c'était un top. Dans le bodybuilding, ton mindset, là, c'est justement ça. Si tu te donnes à 80% dans ce que tu devrais faire, tu auras 80% de tes résultats. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Francis Allard, bodybuilder niveau canadien. On parle de son parcours en bodybuilding, c'est quoi le mindset de bodybuilder, c'est quoi que ça prend pour performer en culturiste, et on parle d'un paquet de choses aussi de ce niveau-là. Donc, si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à faire un 5 étoiles sur iTunes, faire un review aussi. Si vous avez des idées de gens que vous voulez voir sur le podcast, écrivez-nous sur Instagram, Quantum Training, et sur ce, bonne écoute.